Hey hey, ici le docteur Beglingo. Ah non. Ah non, en fait, c'est Tino. Quel con, je me suis trompé. Et comment ça va la compagnie aujourd'hui? Aujourd'hui, petite vidéo anecdote. Anecdote urbex. Des petits faits marrants qui sont arrivés pendant mes explorations. Des petites. Ouais. Marrants pour le moment. Dans le prochain épisode, ça sera un petit peu moins marrant. Hein. Je vous le dis direct. Hein. La première petite histoire se passe en 2019. J'étais avec mon pote Max, Urbex Sam, sur les réseaux sociaux. Même s'il fait plus trop d'Urbex, il est quand même sur Insta toujours avec ses photos. Il a fait du spot de bâtard. On est donc parti en Belgique, tous les deux, faire une exploration plutôt dans le nord, ouais, plutôt dans le nord. Et on arrive à la maison Anaconda. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison qui a tourné un petit temps, où il y avait des terrariums un peu partout. Le mec, c'était un fan de, je sais pas, de lézards, de serpents, toutes ces choses-là. De toute façon, il y aura des photos intégrées à la vidéo, comme d'hab. Hein. Vous connaissez le délire. Hein. Je n'ai pas besoin de développer plus. Alors ferme ta gueule. Ok, c'est parti. Donc on arrive devant la maison. On voit déjà une voiture. Bon, on se dit, bon, de toute façon, les Belges, ils se sentent pas les couilles, ils se gardent devant les spots. Il y a de grandes chances que ce soit juste un urbexeur. Il nous était arrivé un petit truc bien hardcore avant. Donc moi je suis parti dans l'idée, rien à foutre, de toute façon, on peut pas avoir pire. Donc on rentre dans la maison, on commence à faire le rez-de-chaussée, tranquille et tout. Puis on entend un mec à l'étage. Attention, il y a souvent des urbexeurs, voilà, quand on va dans des spots, surtout en Belgique, c'est Disneyland. Donc on commence à faire nos photos, etc. Et puis on voit un gars qui fuse dehors comme ça et tout, vers sa voiture. On le voit commencer à bricoler le grillage et tout. On se dit, c'est peut-être pas un urbexeur lui finalement. Hein. Donc bon, ben on fait 2-3 photos, on remballe vite fait, on fait même pas l'étage, je crois, parce que on s'est dit que c'était un peu trop tendu. Donc on essaie de se barrer par derrière, du coup. On arrivait par devant. La porte était ouverte, on essaie de se barrer par derrière, mine de rien, pour se dire, bon, ça se fait pas griller par le proprio. Et le mec, comme de par hasard, il était derrière, en train de refaire son grillage. D'un coup, il nous fait, oh, et vous là, venez, j'aimerais bien vous parler et tout. Je vois vénère et tout, le mec. On s'est dit, putain, on n'est pas dans la merde, celui-là, il va nous péter les couilles, il va appeler les condés. Ça, la dure série continue, on s'est dit. Donc, bon, ben, on repasse par l'intérieur de la maison. On atterrit dans l'entrée, devant, dans la cour de devant. Et le mec, en fait, était super cool. Contrairement au ton qu'il a employé juste avant, en fait, hop, on a commencé à parler. Ouais, ben, je viens de racheter la maison, etc. Je vais la refaire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient de l'urbex qui venaient la visiter. J'aimerais bien avoir des photos en fait de l'avant, comme ça je peux faire un avant après. Donc nous, mon pote, on était un peu comme des cons, tu vois. C'est la première fois qu'un propriétaire nous dit ça, tu vois. Donc bon, on a déjà soulagé parce que voilà, pas de flic, pas amende, pas de prise de tête, rien. Donc c'est déjà bien. Et du coup, bah, on a échangé les adresses mail. Moi, j'ai fait mon traitement urbex pour Insta, etc. Et je lui ai fait un traitement pur pour son petit souvenir personnel. Je lui ai envoyé, il était très content, etc. On est reparti sur d'autres spots. Et puis voilà, cette petite histoire touche à sa fin. Mais sur le coup, tu as des espèces d'ascenseurs émotionnels. Tu vois le mec, tu sais pas si... il a de mauvaises intentions, parce que nous on est juste là pour des photos, hein. On n'est pas là pour voler, on n'est pas là pour casser.
Non, on fait juste des photos, c'est pour le plaisir, l'art de la photo, et maintenant même l'art de la vidéo, parce que je trouve que la vidéo et la photo, c'est complémentaire. Alors, il y a beaucoup de débats d'urbexeurs qui disent les vidéastes, c'est des connards, c'est de la merde ce qu'ils font, et puis inversement pour certains vidéastes qui disent que les photographes ils font de la merde. Pour moi, je ne suis absolument pas dans ce débat. Ce débat est stérile, il mène à nulle part. Les deux sont complémentaires. La vidéo va te permettre de plonger dans l'ambiance du lieu tel qu'il est, sans cacher les défauts, etc. Les sales pièces, dégueulasses, les belles pièces, les belles mises en scène, etc. Et la photo, elle est là pour sublimer justement ces belles scènes. Donc pour moi, c'est complémentaire. Donc il faut arrêter ce délire de petite bataille entre vidéastes et photographes. Et du coup, bah, je ne sais plus où je voulais en venir. C'est ça qui est fou, hein. C'est ça qui est très très bien avec moi, c'est que je m'emballe dans des explications et au final, je perds le fil. La deuxième, c'était aussi en 2019, une grosse période, je faisais du défrichage. Dans l'urbex, il y a plusieurs gammes d'urbexeurs. Il y a le gars qui va ouvrir des spots, donc les ouvreurs. Il y a les défricheurs, ceux qui vont dénicher des spots, mais qui vont pas forcément les ouvrir. Ils vont les garder sur surveillance jusqu'à ce qu'ils soient ouverts, et puis au moment opportun, on y va. Et puis il y a les simples urbexeurs qui vont les poches, les mains dans les poches, qui ont taxé les locks à droite, à gauche, et que voilà, ils prennent le minimum de risques possible. Donc là, j'étais dans le deuxième cas de figure. J'étais en mode défrichage. Donc, j'ai fait toute la région autour de chez moi à faire du mapping de dingue sur Google Maps, à mater. Ça peut être un éventuel spot. Ça, non, ça, oui, tac, tac, hop. Donc, tu fais ta carte, tu te fais un petit trajet et tu vas vérifier ça sur le terrain. Et puis là, j'avais découvert une espèce de maison. Et vraiment, une friche, quoi. Une friche, bon, il n'y avait pas de nature autour, mais la bâtisse a été complètement éclatée. Les volets étaient foncedés, il y avait des barrières en métal tout autour, etc. Et tout, donc, je fais le tour une, deux fois, etc. Je regarde à travers la porte de la grange, et je vois qu'il y a un arbre qui pousse dans la grange et tout, qu'il y a une espèce de tracteur et tout. Je dis, ça sort le spot. Donc, je trouve un accès, je rentre. Je commence à visiter la grange et tout. Je monte à l'étage pour aller essayer de me diriger vers le côté baraquement, enfin maison quoi. J'ouvre une porte et là d'un coup, j'ai un mec, une espèce de vieux bubard, peut-être même un clochard, je ne sais pas si c'était un SDF ou quoi, mais il en avait tout l'air en tout cas. Et qui me jette son froc à la gueule comme ça, tu vois. Tout en gardant la taille en main, mais il me jette les jambes dans la tronche comme ça. Moi, je suis surpris, je dis, mais qu'est-ce que tu fous là, mec, tu vois, je lui dis, tu sais. Je lui dis, t'habites là? Et apparemment, je devais le réveiller. Hein, parce qu'il avait la tête dans le cul. Et il était pas content, hein. Je dis, ouais, bah écoute, désolé, je te laisse, tu vois. Donc, moi, j'avais fait deux, trois photos. Bah, je dis, bah, tant pis, c'est pas grave et tout. Il me dit, ouais, il n'a même pas eu le temps de parler, en fait, je me suis cassé. Mais il me suivait, tu vois. Il met son froc, comme ça, tranquille, paisible, tu sais, en slibard, nickel. Et il se casse. Et il me suit, je veux dire. Alors que je sors par l'accès que j'ai trouvé, etc. Il me regarde, je suis garé juste à côté, je rentre dans ma bagnole, il vient jusqu'à la hauteur de ma bagnole, comme ça, il me regarde. Je la regarde, je souris, je démarre, et puis je me casse, quoi. Incroyable, c'est incroyable. Quand je raconte cette histoire, à chaque fois, je suis mort de rire. Parce que le mec, comme seule défense, il a de me balancer son froc. Mais tu vas faire quoi avec un pantalon de jean? Tu vas m'assommer? Tu vas m'étrangler? Tu vas faire quoi? J'ai pas compris le principe. C'était juste pour m'effrayer, sûrement. Tu vois. Ouais, ça a bien marché. Mais
C'était vraiment cocasse comme situation. Ça m'a bien fait délirer. Et j'en garde un très bon souvenir. C'était vraiment marrant. Histoire 3. C'est aussi du défrichage. J'ai trouvé dans un petit village une petite maison. Petite maison sympa. Mais il y avait quand même pas mal de monde autour et tout. Donc je tourne, j'attends que les gens partent, etc. Je crois que j'ai une fenêtre d'ouverture, donc je me faufile derrière la maison, je cherche un accès. Merveilleux, une fenêtre ouverte. Donc je rentre dans une petite cuisine magnifique, avec une petite cuisinière bleue à l'ancienne, etc. Top et tout. Je fais le petit tour de la maison, je vois qu'il y a quelques petites photos sympas à faire. Je dis, ouais, bingo, trop cool. J'ai trouvé une exclue. Nickel, ça fait plaisir. Je commence à shooter. Je commence à shooter tranquille et tout. Et d'un coup, j'entends que la porte d'entrée commence à s'ouvrir avec une clé comme ça. Je dis, oh, putain. Et en fait, je suis à l'étage à ce moment-là. Donc je peux pas descendre parce que l'escalier donne sur l'entrée. Donc, je dis, ouais, il faut que je me planque. Donc comme un noob, je prends mon trépied, mon appareil, et je me cache derrière une porte. Et le truc en deux secondes t'es grillé quoi. Donc hop, et j'entends rentrer. Il regarde au rez-de-chaussée, il voit rien. Il monte. Je l'entends monter au fur et à mesure, je l'entends se rapprocher de moi. J'ai un petit peu le palpitant qui commence à bam 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 là, tu vois. Un petit flip, tu vois, le bon petit flip. Et hop, il bouge la porte et il me voit comme ça, moi avec mon appareil. Bonjour. Et là, il me fait, t'es remis que ça? Je dis, bah ouais, je fais des photos, je fais rien de mal, désolé si ça vous dérange, etc. Je m'en vais. Elle me dit, ah non, pas de souci, je suis remixeur aussi. Il y a des gens qui vous ont vu rentrer, donc ils m'ont appelé. Je venais vérifier si c'était pas un voleur ou un casseur. Je dis, non, non, moi je suis vraiment là juste pour la photo. Je suis pas là pour casser du tout. Hein. Je suis passé, j'ai vu la maison, je me suis dit, ah là, il y a peut-être un spot. Et voilà, je suis rentré. Il y avait une fenêtre ouverte derrière, je suis rentré. Donc il me dit, écoute, prends ton temps. Je repasse dans une demi-heure. Je referme derrière toi. Et puis, prends tes photos tranquille. Tu vois. Je dis, ouais, c'est cool, le mec, il est tranquille à mort, ça fait plaisir. Hop, donc je fais mes petites photos, je commence à filmer vite fait une petite vidéo, et là il revient, il me dit, oh, je préfère rester là finalement, parce que j'ai des cousins, ils sont, bah, je vais vous mettre l'extrait, ce sera plus explicite, ce sera marrant, ça vous dira la preuve que je raconte pas de la merde. Oui, je suis toujours là, j'en ai pour 5 minutes. 5 minutes et j'ai fini. Ok, ok. Mais je préfère rester là parce que mes cousins sont un petit peu cons si c'est eux qui tombent sur vous. Ça marche. Ah. Ok, merci. Et donc, voilà quoi. Donc moi, je termine ma petite vidéo en deux spi. Je lui dis merci, je le remercie et tout. Et puis je m'en vais quoi. Mais non, il m'a pas demandé les photos ni rien. Mais, c'était sympa. Cette petite rencontre avec un propriétaire, une fois qu'ils sont sympas, c'est pas toujours le cas. Vous verrez dans les prochains épisodes, des fois ça tourne mal, mais avec un peu de négociation, si tu parles bien, tu t'en sors en général. Tu vois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Des petites anecdotes urbex, on n'en voit pas des masses, hein. C'est toujours sympa, il y a des moments cocasses, il y a des moments hardcore, il y a des moments avec les Schmitts. C'est pas plaisant, mais ça fait partie du jeu. Donc là, pour l'instant, pour ce premier épisode, c'est ce qui s'est bien passé. Je vous le dis, j'ai fait à peu près 500 spots de la plus grosse merde au plus beau spot. Hein. Je fais que du spot de ouf. Hein. En défrichant, je trouve beaucoup de merde.
qui sont même pas exploitables photographiquement. Mais au moins ça te fait bouger ton cul, tu restes pas à la maison, tu vois du paysage, tu vois du pays, ça fait toujours plaisir quoi. Puis ça enrichit l'expérience, t'enjambes de l'expérience, et puis t'es plus sûr de toi pour la suite, tu vois. Donc on verra ça, on verra celle que je vous raconterai, mais il y a des petites histoires un petit peu sympas avec la police, la police luxembourgeoise notamment, hein. Mon petit salopard, ceux-là, hein. Ils ont bien fait chier les enculés, hein, bande de bâtards. Donc voilà, je vous remercie d'être venu sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous voulez. Un petit partage, c'est ce qui fait évoluer, il n'y a pas de secret. Hein. Et puis on se dit à bientôt. Allez, big up!